Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, il fait un temps pourri, c'est pour ça qu'il y a la lumière là, que j'ai une teinte blafarde d'un côté. Et voilà, et... Bref, je vous reviens. Alors je suis désolée, vous l'aurez eu le lundi au lieu de... Là, je le filme lundi. Au lieu du dimanche, parce que je n'ai pas eu le temps de filmer le week-end, parce que j'ai un haul Fripp dont à vous tourner, mais je n'ai pas eu le temps, donc du coup je filme lundi et je vous montre les petites trouvailles que j'ai trouvées en vide-grenier intérieur, boursau joué, enfin vous appelez ça comme vous voulez. J'ai trouvé pas mal de choses, notamment bon, pour Emma, je vais vous le montrer vite fait, mais bon, si ça peut intéresser les parents, c'est avec plaisir. Puis j'aime bien vous montrer que, voilà, ce que j'ai pu trouver pour elle, comment elle est habillée. N'hésitez pas à nous suivre sur, me suivre, puisque c'est quand même mon compte, sur Facebook. Justement, je mets la tenue du jour, à part le week-end et le mercredi, puisque de toute façon, elle est habillée en poney, enfin, en habit de poney, donc voilà. Mais sinon, il y a toujours la tenue du jour, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi ma tenue du jour. Aujourd'hui, c'est une petite blouse, alors manche mi-longue, mais vu qu'il fait froid, j'ai mis un truc en dessous, voilà, et un jean. Parce qu'il fait un temps pourri, dégueulasse, il fait froid, humide, et alors ça c'est le pire. Honnêtement, le froid, ça va. La pluie, bon, je fais avec, hein. Mais alors les deux en même temps, alors là, c'est le pire pour moi. Bref. On va commencer, après il y a des petites choses pour moi, des peluches, du jeu vidéo, du Disney et des livres, voilà. Alors, on commence, les vêtements pour Emma me sont revenus, alors certaines, si c'était 2 euros, il y avait certaines robes, c'était 2 euros. Mais sinon, après il y en avait d'autres, c'était 50 centimes et d'autres 1 euro, ça dépend, voilà. Je ne sais plus exactement, pourtant ça s'est passé hier, mais je ne sais plus. D'ailleurs... Ma chérie Débo, je te fais des bisous puisque j'ai fait les trois boursos joués avec elle. Alors tout d'abord, une petite robe comme ceci, jaune. Alors c'est plus pour l'été, bien qu'elle est quand même un poil épaisse, donc pour l'été on va y avoir chaud. Qui est apparemment un réversible si je comprends bien. Voyons voir. Mais bien sûr, je ne m'étais pas aperçue. C'est avec vous en direct que je m'aperçois que... Elle est réversible. Ça, c'est cool, ça. Parce que ça fait vraiment deux robes en une. C'est nickel. Et je ne pourrais pas vous dire la marque. Vu qu'elle est réversible, il n'y a pas l'étiquette. Je ne sais pas. Mais elle est super mignonne. Donc là, elle est grise avec ses blancs et des pois orange, gris et jaune. Et de l'autre côté, c'est effet jean en bas. Et après, elle est rayée jaune et blanche. En très, très jolie robe. Comme ceci, manche longue, grise en haut. Il fait un peu tutu en bas avec des petites licornes en sequin juste cousu. Et après, vous avez voilà, un élastique style comme si c'était une ceinture pailletée. Voilà. Marque Happy Girl en 134. Donc 134, ça correspond à du 9 ans. Une robe qui d'ailleurs, il y avait le truc à 1 euro là. Ouais, 9-10 ans. Elle est juste magnifique. Qui part en évasé comme ça, très très joli, franchement. Effet, vous voyez, un relief, les dessins, elles sont très bonnes celles-là, comparé à d'autres. La marque, River Island, ouais. Je ne connais pas trop, mais elle est vraiment super jolie, en teinte rose, ouais, rose vraiment pastel. Une jolie robe. Qui fait un petit peu allez, comment ça s'appelle cette marque, ah ça y est, je l'ai plus, Ralph Lauren, comme ceci. Mais c'est ça qui fait penser, le fait que c'est un polo aussi. Donc, elle est super belle, vous savez, ça fait un petit peu les robes pour faire du tennis. Elle est alors en XL, alors à quoi ça correspond, ne me posez pas la question, je n'en sais rien. Mais la dame m'a dit que voilà, ça correspondait à du 10 ans. Donc voilà, elle est super belle, en bleu marine.
Et Emma l'a beaucoup aimé. Ensuite, ça c'est aussi plus pour l'été. Alors, vous ne voyez pas trop. Ah si, là vous voyez à peu près la couleur. Et oui, là, désolé pour la luminosité. Donc c'est une petite robe, voilà, resserrée à la taille. Elle est dans les teintes corail. Elle est doublée. Après, vous avez un effet, voilà. Vous voyez là dessus les petits traits là. Et manches courtes, donc évidemment ça c'est plus pour l'été quoi, ou la demi-saison. In extenso, elle est en 8 ans, donc voilà, elle me met encore du 8 ans pour beaucoup de choses, mais je lui ai mis le 10, que voilà, des fois ça taille petit, des 8 ans qui taillent grand, que j'ai pas encore mis, enfin ouais. C'est la merdouille, surtout au niveau des enfants, que je vous dirais que des fois... certaines marques, je prends du S, ça me va, et même au niveau de ma poitrine, donc je cherchais l'erreur quoi. Et après des fois, dans une autre marque, en 42, je passe pas. De la marque Okaidi, là aussi en 8 ans, je lui ai pris une petite robe comme ceci. Elle lui rentrera au pire des cas, même si cet été ça lui est un petit peu court. Mais un petit shorty en dessous, ça passe. Donc elle est blanche avec des rayures bleues. Et après vous avez donc des sequins réversibles là. C'est une petite étoile. Un joli petit haut de la marque Okaidi en 10 ans. Style un petit peu blues, comme je peux mettre moi aussi. Voilà, j'ai adoré les couleurs. Voilà, des petits motifs pois, triangle, manches longues. Ça fait de suite un petit peu plus habillé quand même que des petits t-shirts manches longues. Donc. Autre haut chemise de la marque Manto Girl. Alors c'est en 12 ans là. Mais bon, je vais en prendre du 12 ans et puis je verrai quand est-ce qu'elle le met. Hein. Parce que je trouve que c'est pas si grand que ça du 12 ans franchement. Non. Bref. Alors elle est très très fluide, assez transparente, mais c'est une chemise, enfin ouais, un mois carreau. Vous avez un lacet là et après vous avez de la broderie là, super mignon. Franchement, les manches qui sont retroussées et tout, elle est trop belle. Ensuite, une jolie robe comme ceci. Alors la dame elle me dit elle a été fait main. Je me pose la question quand même. Je ne sais pas. Elle me dit oui, je suppose qu'elle a été faite même parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Bon, ça veut dire que toi tu ne l'as pas achetée neuve du coup, ou qu'on te l'a offerte, mais je veux dire, du coup, c'est pas toi qui l'as achetée en magasin quoi, parce que sinon tu le saurais. Elle est super belle, donc elle m'a dit que c'était une taille 10 ans, je veux bien le croire. Ouais, 9-10 ans. Elle est assez chaude, hein. Vous voyez, c'est bourré de. Ouais, paillettes aussi quand même. Argenté, ouais, argenté, parce qu'après ça c'est du doré avec froufrou en bas, des petits nœuds. Emma a kiffé celle-ci et derrière il y a une fermeture éclair. Ensuite, pour l'été en 10 ans, je pense, ouais, 8-10 ans. Vous savez, ça c'est à H&M qu'on peut les trouver, ces petites robes. Ils aiment bien faire ce style de robe là, toute légère. Emma les aime beaucoup l'été, donc voilà, je lui ai repris. Là, elle est bleue avec des petits oiseaux de toutes les couleurs. Ensuite, de la marque, toujours pareil, H&M, hein, je suppose la même taille. Ouais, 8 ans. Donc là, c'est pour maintenant, mais justement, je peux la mettre maintenant. Elle est manche longue avec un gilet par-dessus, ça passe. Donc elle est mignonne comme tout, avec des petites étoiles et des petits arcs-en-ciel. Sinon après elle est grise très très claire. Ma fille adore les commis shorts. Donc du coup quand je peux lui en trouver. Là c'est de la marque, je ne sais pas, en 10 ans. Un petit commis short, vous voyez, ça fait vraiment... des fois les commis shorts, c'est la même chose. Là, ça fait comme s'il y avait vraiment un short en bas avec des petites poches. C'est brodé. Voilà, après elle se ferme comme ça dans le dos, il y a marqué Little Bubble et c'est comme ça sur les épaules. Elle est rose avec des petits cœurs de différentes couleurs. Ensuite, en 8-9 ans, de la marque Disney de Primark, j'ai trouvé ce joli petit Sweet Stitch. Vous savez que moi j'en avais trouvé un. Et j'ai dit, ça sera cool, on pourra le mettre en même temps. Elle mettra celui-là, moi je mettrai l'autre. Donc voilà, il est super mignon, assez court, mais mignon comme tout. Ensuite, de la marque Kiabi, en 10 ans, je trouve une petite robe pour cet été. Elle est noire avec, il y a des feux d'artifice, il y a des lunettes, il y a... Non, c'est pas des feux d'artifice, je sais pas. Non, des fleurs.
un gobelet avec une paille, voilà. Elle est noire et les dessins sont blancs et roses. Très bien pour cet été. Ensuite, vous savez que Emma, je vous l'ai déjà dit, elle adore tout ce qui est en moumoute. Hein. Je l'ai trouvé, bien évidemment. Alors, il a 12 ans, mais je trouve qu'il ne taille pas super grand. Un joli petit pull comme ça, gris chiné avec des étoiles pailletées, argentées. Donc, c'est de la marque Gémeaux. Et alors ça, dès qu'elle l'a vu, mon Dieu, elle lui a sauté dessus. Pour elle, c'est limite une peluche, quoi. Et c'est vrai que c'est très agréable, c'est chaud et c'est très très bien. Ensuite, de la marque Zara Girl, en 9-10 ans, j'ai trouvé une petite robe comme ceci. J'aime bien ce genre de petite robe là qui est fluide dans l'eau, on est à l'aise et tout ça. Elle est grise, après les motifs, ils sont comme ceci, le devant, voilà, comme ça avec des petits boutons. Manche longue, resserrée au niveau du poignet, elle est très très bien. Autre robe de la marque Verbaudet en 10 ans. Manche longue, elle est dans les roses, comment dire ça, vieux rose. Elle est resserrée à la taille et après vous avez des petits papillons dessus. Je sais pas si c'est doré ou argenté, pailleté. Voilà, elle est super mignonne. Ensuite, un petit haut pour cet été. Oui, je sais, oui, on est au fin novembre, mais je prends des trucs pour l'été. En 8 ans, un joli petit haut. Qui est quasi, ouais, quasi sans manche, ça retombe un peu sur les épaules, ça, mais enfin, bleu, ouais, de la marque Kiabi, il a des petits points d'argenté pailleté, et derrière, c'est comme ceci, vous avez une ouverture, et après, c'est quand même, vous avez du voilage derrière, il est super, super joli, ça, un jour où, voilà, on veut qu'elle soit un petit peu plus classe, d'habitude, mais voilà. Ensuite, très très jolie robe de la marque Crix en 8 ans. J'aime bien aussi ça. Donc là, elle va la mettre incessamment sous peu avec un sous-pull et un gilet par-dessus. Une petite robe en jean avec deux poches devant. Voilà, un petit peu resserrée là, un petit peu en dessous de. Voilà, c'est pas la taille, c'est. Faut pas appeler ça à poitrine pour les affaissifs. Pour les enfants aussi. Et après, c'est brodé en différents. Différentes teintes de robe. Une jolie robe, là aussi, de la marque Kiabi en 10 ans. Ça fait assez, là aussi, un petit tissage. Voilà, avec un petit nœud. Elle est rose. Après, elle est plissée, assez longue. Elle est super mignonne et elle est assez chaude. Donc, là, elle peut très bien la mettre là aussi ou l'hiver prochain. Et enfin, pour finir, dans les affaires d'Emma, la dame m'a offert ça. Bon, à la base, je voulais l'acheter, mais son père a une chèche et elle a dit « Ah, papa, ça te va trop bien, j'aimerais bien avoir une et tout ça. » Et le lendemain, qu'est-ce que je trouve? Ceci, une chèche. Donc, du coup, je la lui ai prise. Vous auriez vu comment elle était contente. Elle voulait la mettre de suite et tout. J'ai dit « Il faut laver tout ça avant de les mettre sur soi, hein, s'il vous plaît. » Donc, voilà, donc j'ai eu gratuitement. Nickel. Et alors, ça, je ne pouvais pas le laisser passer, ça, je me souviens. 2 euros. Mais bon, en 8 ans de Harry Potter, une petite robe pull, sweet pull même, sweet, non, robe sweet, ça y est, avec une capuche, voilà, donc même ça est un peu court, ça peut faire un sweet long. Mettre ça avec son legging gris, c'est très bien, elle était super super contente. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ben, qu'est-ce que je peux vous dire, ben, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas, c'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre grande famille YouTube, enfin grande, pour nous elle est grande, après pour d'autres, non. Sinon, eh bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bon week-end, non là on est début de semaine, mais bonne semaine. Et sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!